Voilà donc pour ses intentions de prière, alors qu'on voit un plan très rare, une image très rare de la reine Elisabeth, son chapeau noir, son masque noir, sa tenue entièrement noire, le doyen de Saint-Georges, David Conner, et l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, ont alterné ses intentions, alors que revoici le doyen de Saint-Georges. Au nom de Dieu, le Père, tout-puissant, qui t'a créé, au nom de Jésus-Christ, qui a souffert pour toi, au nom du Saint-Esprit, qui te fortifie, que ta vie, aujourd'hui, soit dans la paix et ta demeure dans la Jérusalem céleste. Amen. Un moment important de cette cérémonie. Vous allez voir apparaître une personne importante, le héros d'armes de l'ordre de la Jarretière, qui va énoncer tous les titres du duc d'Édimbourg. Pour le confier à sa divine miséricorde, le très illustre et très exalté prince Philippe, duc d'Édimbourg, comte de Merionnette et baron Greenwich, chevalier du très noble ordre de la Jarretière, chevalier du très ancien et très noble ordre du Chardon, membre de l'Ordre du Mérite, chevalier Grand-Croix de l'Ordre royal de Victoria, auquel a été conférée la chaîne royale de Victoria, grand maître et chevalier Grand-Croix de l'Ordre très excellent de l'Empire britannique, grand admiral du Royaume-Uni, membre du très grand honorable conseil privé de Sa Majesté, amiral de la flotte, maréchal de l'armée de terre et maréchal de l'armée de l'air. Époux de Sa très excellente Majesté Élisabeth II, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et de sept autres royaumes et territoires. Chef du Commonwealth, défenseur de la foi, souveraine de l'ordre très noble de la Jarretière, que Dieu la préserve et la bénisse en lui accordant longue vie, santé et honneur et tout le bonheur de ce monde. Avant que le régiment royal d'Écosse ne joue dans un bref instant. Évidemment, la cornemuse.